Le site Coquerie-Flémal, situé à cheval sur les territoires de Serein et Flémal, fait partie des friches industrielles à dépolluer dans le cadre du plan Marshall. Une première étape des travaux de réhabilitation a eu lieu en 2008. 8500 tonnes de terre cyanurée ont été excavées et envoyées en centre de traitement agréé. En 2009, la deuxième étape des travaux a consisté en la réhabilitation de la zone surélevée située côté Meuse du site. Les débris de construction, les anciennes maçonneries et les structures industrielles encore présentes ont été extraits du sol. Par ailleurs, près de 122 000 m3 de remblais ont été excavés et traités à cette occasion. En 2011 a débuté la troisième étape, toujours en cours aujourd'hui. Le solde des terres cyanurées, soit 9500 tonnes, a été excavé et envoyé en centre de traitement agréé. Par ailleurs, SPAC a entrepris le traitement de trois hotspots fortement pollués en benzène et en naphtalène, qui nécessitent la prise d'importantes mesures de sécurité sur le site. Ce chantier présente la particularité que les travaux de construction d'une plateforme logistique bimodale destinée à l'entreprise de transport Frisé vont y être entrepris par SPAC alors que le chantier de réhabilitation sera toujours en cours.